Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné en Extra Ball, notre format court, notre programmation bis à nous qui nous permet d'évoquer une sortie. Aujourd'hui, on va causer de Ghostland, un film français, et oui, signé Pascal Logier. On va faire ça avec ma camarade Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. Et je précise que nous sommes à l'antenne Paris, une CénoCiné Extra Ball spécial Ghostland, et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ghostland, donc, c'est l'histoire de Pauline, jouée, excusez du peu, par Mylène Farmer. Et oui, Pauline, donc, qui hérite de la maison de sa tante après sa mort, s'y installe avec ses deux filles, se retrouve la proie de tueurs qui investissent les lieux. Pauline va devoir les affronter pour sauver sa famille qui n'en sortira pas indemne. Un traumatisme qui va leur sauter une nouvelle fois à la gueule quand, 16 ans après le drame, les trois femmes se réunissent à nouveau dans la maison et que des tas de choses bizarres leur arrivent. Est-ce que c'est bien ça, Perrine? J'ai bien résumé. Oui, c'est très bien résumé. Bon. Ce qui est un petit peu amusant, c'est que tu mets Pauline au centre de l'histoire alors que... C'est plutôt ses filles. C'est plutôt ses filles qui sont clairement au centre de cette histoire. Donc en effet, c'est le quatrième film de Pascal Logier, si je dis Il pas de bêtises, semble après que oui. Saint-Ange, Martyr et The Secret. Donc toujours avec des héroïnes féminines. On lui a... Le cas Logier, c'est un cas un peu compliqué. C'est un cas qui a été à la fois porté au nu, décrié au possible, traité de misogyne. Enfin, il est vraiment passé par, je pense, tous les stades des remarques. Notamment à l'époque de Martyr, qui avait fait beaucoup de bruit la sortie du film. Énormément, parce que le film était quand même très graphique, voilà, très graphique, comme diraient les Américains, très visuellement fort, violent, gratuit, on peut dire. Dégueu, voilà. Il y a beaucoup d'adjectifs qui vont avec. Et en effet, on sent... Déjà, il y avait une sorte de transition avec The Secret qui avait été entamée, où il faisait un petit peu amende honorable sur ces personnages féminins. Il y a moins de gratuité dans la violence. Visuellement, c'était beaucoup plus calme. Là, on repart dans quelque chose de beaucoup plus visuellement violent. Mais encore une fois, il est toujours dans cette dynamique d'amende honorable où ces personnages féminins sont quand même des personnages très très forts, notamment donc les filles qui sont à deux étapes de leur vie. On les voit jeunes filles, elles ont 14 ans dans ces eaux-là, et plus tard adultes. Donc c'est un film qui est quand même assez, moi j'ai trouvé assez fascinant. On sent que, alors je n'ai pas le background tout à fait de comment il a été fait, mais je sais qu'il a pris beaucoup de temps à l'écrire. Et on sent que c'est un film qui a été écrit, réécrit, réécrit. Au point qu'il est très asséché, il n'y a pas de superflu dans ce film, c'est-à-dire que je trouve qu'il est très, très clair, très, très bien construit, beaucoup de rebondissements qui fonctionnent merveilleusement bien parce qu'il ne s'embête pas à faire des histoires parallèles où vraiment le rythme est très très fort, au point que parfois après on a presque du mal à suivre tellement c'est assez rapide. Et bien en même temps c'est une heure et demie hyper compactée, hyper forte. Et en même temps, voilà, il la taille dans le gras pour se concentrer uniquement sur ces personnages-là. Et au début, voilà, le film va jouer beaucoup sur nos attentes. Et je tiens à prévenir d'office que très rapidement on rentre dans le film. Oui. Au bout de, je sais pas, le film a peut-être pas commencé depuis 4 minutes, 5 minutes, qu'il y a cette fameuse scène d'attaque dans cette nouvelle maison ouais. Où emménagent les filles. Et alors là, c'est une claque ultra violente. Moi, je l'avoue, je l'ai vu à 9h du matin, j'étais pas réveillée pour voir ça. Enfin, c'était vraiment violent. C'est dur, le métier de critique, des fois. Vous avez pas idée, vraiment, c'est sous-estimé. Juste après le café, un Pascal Logier. Un Pascal Logier et une attaque, mais alors d'une violence rare. Tout à la fois visuel, parce que vraiment, il y a un plan, une idée. C'est très, très bien mis en scène, très, très bien monté, très bien pensé au niveau du montage. Et surtout au niveau du son, c'est-à-dire que vraiment les pas sont lourds, les craquements sont froids, sont directs, et on a du mal à se remettre de cette scène ultra ultra violente. Mais en même temps, c'est là où c'est étonnant de la part de Logier, très dans la suggestion, excessivement dans la suggestion. Finalement, on voit assez rarement frontalement la violence. Oui. Elle est toujours très suggérée par ces bruits notamment qui mettent très très mal à l'aise. Puis voilà, on fait ce bond dans le temps où on les retrouve beaucoup plus tard. Donc on a un film au début qui est un film sur le traumatisme, vraiment sur le traumatisme de cet épiphénomène, de cet événement qui est arrivé, et comment on le surpasse. Est-ce qu'on le sublime? C'est le cas d'un des personnages qui finit par devenir une grande écrivain. Qui devient un écrivain, c'est une des deux filles, voilà, et l'autre qui n'en sort pas. Et voilà, qui au contraire subit ce trauma, voilà, et le revit encore et encore et encore. Donc voilà, il y a vraiment une discussion, une réflexion sur le trauma, puis très rapidement on comprend que le film n'est pas tant sur ça que sur l'échappatoire, sur comment survivre
tout simplement comment survivre à un événement, comment traverser un événement. Mmh. Deux solutions, soit l'échappatoire, soit le pragmatisme. Et c'est là où il est très intelligent avec ces deux personnages féminins, ces deux jeunes filles. Je tiens à dire que Mylène Farmer dans ce film n'est pas en mode boutonnat, elle n'en fait pas des caisses, et franchement elle est juste à sa place, bien à sa place. C'était la question essentielle que j'allais poser juste après, pardon. Merci beaucoup. Elle est vraiment, pour le coup, ceux qui s'attendent à ce que d'un seul coup elle commence à chanter Désenchantée vont être très très déçus. Je suis déjà déçue, mais très honnêtement, non, elle est très à sa place. Et on a ces deux jeunes filles qui sont très complémentaires, des personnages féminins particulièrement forts qui vont affronter donc, ces deux freaks que j'ai l'impression de voir tout droit sortis d'un film de Rob Zombie. Donc le film est assez référencé aussi. Hein. Il y a quelque chose de très référentiel dans son approche. Évidemment, l'ouverture, l'attaque fait énormément penser à Massacre à la tronçonneuse. L'ambiance, on est dans ces campagnes rurales non définies des États-Unis. On ne sait pas où on est, mais on a une très bonne idée de où on est. On sent le référentiel à Massacre à la tronçonneuse, à Rob Zombie. On pense à The Devil's Reject, évidemment, voire même à son remake d'Halloween. Oui. Et soudainement, le film prend plutôt la tournure de l'entre de la folie. Donc là, on rentre dans quelque chose de plus carpentérien. Enfin, et ça fonctionne vraiment pas mal. Donc on sent qu'il y a un hommage. Le film, à travers le personnage de Bess, donc celle qui va devenir écrivain, on sent que finalement, Logier parle un petit peu de l'acte créatif, comment on transforme un événement en une œuvre, en fait, tout simplement l'acte de à la fois de l'écrivain, de l'auteur, du réalisateur. Donc il y a vraiment quelque chose, un retour sur lui à travers ces personnages-là, féminins, qui est plutôt vraiment intéressant, moi, je trouve. Donc, et en même temps, cet hommage à ses idoles, donc quand j'ai déjà nommé les réalisateurs, mais aussi des écrivains. Donc le film est un hommage à Lovecraft permanent, ça s'ouvre sur une citation dithyrambique en hommage à Lovecraft. L'ambiance est lovecraftienne, totalement. Et aussi Stephen King, on ne peut pas ne pas penser à Stephen King quand on regarde le film. Surtout que lui est lui-même écrivain, victime de traumatisme qu'il sublime à travers l'écriture, issu de la même région que Lovecraft, c'est la Nouvelle-Angleterre les deux. Exactement, donc en fait on sent, et il s'en cache pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qu'il essaye de se réapproprier, au contraire il est vraiment dans l'hommage et la citation. Donc je trouve que c'est pour ça, ça fonctionne particulièrement bien. Après, moi, j'ai vu quelque chose dans le film, et je pense que je vais être littéralement la seule personne à l'avoir vu. J'ai même vu, à un moment donné, un passage que j'appellerais Xavier Dolan. Il y a un passage quasi Xavier Dolan du film, à un moment donné. Ah, tu me le vendais bien jusque-là, puis après, voilà, ça s'écroule d'un seul coup. Bah non, mais bon, si des gens sont dans la même fréquence que moi, et j'imagine qu'il n'y en a pas tant que ça, il y a un passage, vous penserez à Mommy de Xavier Dolan. Merde. Mais je pense qu'encore une fois, je suis vraiment seule sur cette histoire. Donc, mais c'est pas grave, je le vis très bien. Il faut l'assumer. Donc vraiment une très bonne surprise de la part de Logier qui revient avec quelque chose, un espèce de roller coaster, un vrai train fantôme. Là où il fait beaucoup de scare jump dans le film, ce qui pourrait être presque un aveu de faiblesse. Une facilité que beaucoup de... Il y a eu toute cette tendance au début des années 2000, où beaucoup de films étaient très dans le scare jump. C'était assez fatigant, c'était pas très utile. Et là, en fait, il en a énormément tout au long du film, mais en fait, je dirais presque qu'ils viennent comme un soulagement par rapport à une espèce de tension permanente, une ambiance qui est là en permanence. Et voilà, le film, j'ai pu entendre que certaines personnes étaient un peu choquées, on a encore dit que c'était un peu dégueulasse vis-à-vis des femmes. Moi, je trouve pas tant que ça, parce qu'à aucun moment, ces femmes sont sexualisées. Elles sont vraiment toujours dans la défense, même dans l'attaque, en fait, d'une certaine façon. C'est des personnages féminins qui se démerdent avec ce qui leur arrive. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un film vraiment passionnant à regarder, jamais ennuyeux, on va pas trop se poser de questions sur le fond de ce qu'il veut raconter. Il cherche pas à dire quelque chose sur la sexualisation des femmes ou des jeunes filles. Alors, si les gens se posaient la question, comme on aurait pu se la poser sur Martyr, il cherche pas à dire à victimiser ces femmes-là. Non, je pense que c'est un film vraiment intéressant, un film qui mérite son prix de Gérard May. Enfin, ses prix de Gérard May, d'ailleurs, il en a eu plusieurs. Annonce un bon retour de Logier, et surtout, encore une bonne nouvelle, puisque récemment, on a pas mal de bonnes nouvelles dans le cinéma de genre français, que ce soit Grave de Ducournau, que ce soit même Revenge de Coralie Farja ou encore récemment La Nuit a dévoré le monde. De Dominique Rocher. Je pense que voilà, c'est toujours cette même... Mais lui, il est plus à l'ancienne. C'est un peu le papa du lot, c'est un peu plus à l'ancienne, moins peut-être novateur, mais un film qui se tient de bout en bout. Et
à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant pour le cinéma de genre français. Donc Ghostland, on l'a dit, c'est à découvrir au cinéma et c'est conseillé par ma camarade Perrine Kenson. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Perrine, merci à Camille, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite.